Bonsoir tout le monde, bienvenue sur News Daily. En fait, CNN fait projeter là que gouverneur démocrate là, lui arrivé gagner victoire là et nous avons assisté ça nous relait un recall. En fait, et m'a contre pour l'autre state mais Californie permet de faire ça des pour ou amasser suffisamment de vote qui mandé pour que yo ta retire. Question qui s'est dit, c'était oui ou non? Justement, est-ce que vous voulez pour que vous retirez l'actuel gouverneur? C'était ça. Donc, si vous dites oui, là, ce mois de la durée, il y a une liste près de 40 candidats pour choisir qui est. Eh bien, d'après données et projections que vous faites suivant votre qui est en compte, CNN fait projection que, eh bien, gouverneur démocrate, là, nous voulons parler de Gavin Newsom, eh bien, l'Apkembe Job là. D'ailleurs, Lili a fait discours là, li dit li très humble et li reconnaissant, li remercier toute Californie qui t'a exercé fondamental droit pour te voter et t'a exprimé yo en grande quantité côté que yo t'a rejeté division. Mais dans ça ne veut pas comprendre là. Et démocrate yo justement t'a comprendre en jeu a parce que en nous clair sur ça. Si ou t'a gagné un scénario côté que les démocrates t'a perdu la Californie. Nous t'es capable de dire et c'est presque en fin du monde. On dit c'est fin du parti démocrate là parce que nous connaît que l'en parler de Californie ça veut dire c'est les gain plus fort électoral vote hein, donc gain plus monde. Donc c'était un véritable enjeu, c'est ça qui fait gagner monde qui t'a fait déplacement et à quelques heures d'élection ça Joe Biden t'a derrière justement. Maintenant, on essaie de comprendre qui ça mène nous là. En fait, tu as une frustration qui t'est développée par le fait que nous sommes gouvernés là, il était très strict et sous dossier coronavirus là et on connaît pas bon ici grand pile monde qui remet plaisir. Yo te pensais que monsieur t'a metté trop restrictions sous pandémie, tu as une colère de la part de population qui te voulait aïe aïe quoi, yo comprendre. Yo te pensais trop restrictions, donc c'est ainsi que t'es gagné ça n'est arrivé et yon en fait yon joué sous colère ça qui vient faire que à ce moment là duré t'es en pile monde t'es senti t'es gon menace vraiment et que t'es gagné possibilité pour le gouverneur là taper dit job là et maintenant ça que t'as pas changé donné il y a plusieurs bagages. Premièrement, s'il est vrai que yon majeur de monde qui était contre monsieur, on majeur partie de monde qui était contre lui, ça va bien dit pour autant yon était il était contre les démocrates, là vous comprenez ça. Il y a deux bagages qui viennent changer de nous. Premièrement, ou qui viennent de Delta variant là qui débarque et capture les monde et cap et qui vraiment ont vitesse de propagation extrême qui montre tout bon vrai que c'est pas jouet. Faut que vous protégez tête mais tout ou viennent gagner un conservateur républicain qui entre dans course là. Donc tout élément ça vient faire que mon yo eh bien il casse tête tourner on va même dire mon yo et dit population quand c'était tourné yo choisi supporter nous sommes et moun t'ai déjà pressenti dans sondage yo dans tout ça qu'a dit que monsieur t'a pral kembe voilà pour kembe position monsieur prend pouvoir ça en 2018 donc basically et 2018 ou ka comprendre ça donc il était un an et quelques jours il était sous pouvoir là. Donc et on dit que républicain tap tenté ouais c'était comité monsieur Ate. Résultat ça important puisque David Bay et démocrate ont beaucoup plus confiance et qui effectivement yo sous la bonne route et on dit que Biden l'est allé il dit que Maison Blanche démocrate yo n'a cherché et quantité de Californiens avec confiance pour voter à soi. Donc c'est une véritable mobilisation et qui vient faire que mon yoté justement présenté en foule et yo bay message là et donc avec élection midterm là élection 2022 tout près là démocrate yo justement yo senti que résultat ça a vinn bay un booster et parce que parce que comprendre on a reprendre pour encore si yo te perdit c'est un vraiment un véritable désastre catastrophe tremblement de terre, fin du monde, relé le jonvler. Ok, un véritable désastre. De Andy, comité officiel, il était très enthousiaste. Et
Donc, et qui le fait qu'il est arrivé Kembe poste gouverneur républicain. Maintenant, qui impact que l'a gagné sous Sénat, c'est point d'interrogation. Et donc, nous sommes, ça vous nous comprendre, gouverneur démocrate a prêté ce pouvoir l'arrivée sur vive Ricol ça et lui a prêté pour faire reste mandal normalement, puisque ça vous comprendre en majeure partie, les hommes de oui ou non, puis faut vous dire non. Ok? Avait dit, Mounio, les hommes dit non, ils ne pas voulu l'école, non, ils ne pas voulu remplacement. Ce qui fait en définitive, vous venez gagner, justement, nous sommes qui étaient au pouvoir pour finir, reste mandal. Ok? Et il a expliqué, en parlant de gouverneur, il dit, il y a un groupe de monde qui est de l'empile dans la bataille. Ça, il parlait de syndicats. Il dit que syndicats étaient vraiment critiques dans l'effort. OK? Et il reconnaît ça dans la dernière semaine d'élection. Il parlait de l'argent de l'Est seulement, gagner un ensemble d'affiliations de syndicats et qui étaient fait presque 1 million coup de fil. Il a frappé à dans 130 000 potes, d'après sa organisation, ça, au fait qu'on est. Au total, la fédération a dépensé 2,1 millions de dollars dans la bataille, ça, tu as fait, dans le recall, ça. Dans l'effort pour être coordonné avec près de 3 265 volontaires. Donc, Coronel là qui a avoué que campagne était comptée en pile sous l'Union pour être capable fait bataille ça yo rend d'accord ça les unions aussi les syndicats yo fait un pile effort pour justement être capable bloquer et recall ça fait que pas gain causer recall et donc nous pensons que c'est vraiment une très bonne nouvelle et pour les démocrates qui sentent que et bataille ça a donné ça et mettez en confiance pour que vous capable avancer dans 2022. En plus de monde t'as souhaité que vous ayez une véritable majorité, souhaité que l'élection de 2022 permette que vous ayez une véritable majorité. Une véritable majorité, ça veut dire que vous avez perdu un sénateur, vous avez perdu un des sénateurs, mais vous avez toujours un vote pour me faire passer. Et c'est un dilemme, ça, la démocratie, vous avez là. Depuis que vous avez perdu un sénateur, seulement vous n'êtes pas d'accord, soit en dehors ou pas votre bagage. Donc, vous venez on gens et prisonniers de yon sénateur, ok? Donc voilà, guys, et pour Jean Kozéaïe, donc nous sommes apprêtés comme gouverneur normalement, c'est yon justement bonne victoire pour les démocrates.